Bonjour à tous et bienvenue sur La Belle Flandre, l'émission qui va à la rencontre de ceux qui vivent et font vivre les Flandres. Aujourd'hui, nous allons prendre le train, mais pas n'importe lequel. Nous allons monter à bord du petit train des Flandres qui reliait autrefois Hasbroek à Onscot en passant par Steenvoorde et Herzel. Aux commandes, on retrouve l'historien Eric Vanneville et Daniel Franck, spécialistes de ce fameux petit train des Flandres. Sur la piste du petit train des Flandres qui existait autrefois dans la première moitié du XXe siècle, Hasbroek, Steenvoorde, et qui allait comme ça jusqu'à Onscot. Alors nous allons d'abord chez le spécialiste Daniel Franck, qui est à Steenvoorde, terre de Gem, et qui est complètement emballé par cette histoire adorable du petit train des Flandres. Bien, nous sommes ici chez Daniel Franck, spécialiste du petit train des Flandres. Oui, spécialiste, ah, ça oui. veut dire chercheur. Chercheur, voilà, comme nous tous, hein, voilà, nous sommes tous ça. Des chercheurs. La SNCF est apparue avec les événements en 1936, et elle a repris finalement les activités de compagnie privée, jusque-là. Voilà. Oui, alors, par chez nous, il y avait la compagnie des chemins de fer du Nord, qui était bénéficiaire. Et moi, la question que je me pose, et je ne connais pas la réponse, et je pose cette question, est-ce qu'il y a un lien entre la compagnie du petit train des Flandres et la compagnie des feintes en 36 des chemins de fer du Nord ? Je dirais non, et je dirais oui. Effectivement, donc, cette compagnie des chemins de fer du Nord est apparue très, très tôt. Hein, donc, les grandes compagnies qui reliaient, par exemple, l'île à Paris, ou bien la fameuse PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille. Ça, oui. Ce sont donc les grandes compagnies. Mais il y a eu des lois qui ont encouragé, je crois que c'était la loi Fraissinet, qui encourageait la construction d'autres lignes de chemin de fer pour venir en complément de celle-ci et qui allait relier les préfectures aux sous-préfectures, aux chefs de canton, etc. Ah, le temps des sous-préfectures. Voilà, le temps des sous-préfectures. Et donc, on a imaginé une ligne que l'on pourrait dire quasiment parallèle à la grande ligne Lille-Dunkerque, hein, qui était une ligne de la Compagnie du Nord. Et cette ligne parallèle aurait donc dû relier Armentières à Dunkerque. Cela aurait causé trop de concurrence. Oui. Donc on s'est limité, dans les années 1883-84, à une ligne qui allait relier Hasbroek, sous-préfecture, à Dunkerque, autre sous-préfecture. Et par la suite, la ligne est encore devenue plus limitée, Hasbroek, Onscot, éventuellement Berg. Oui. Voilà. Donc pour quitter quelque part, c'est-à-dire Hasbroek, la compagnie du Nord, le grand train, pour le rejoindre à Berg. Voilà. Et entre deux, un petit train, d'où notre fameux surnom, petit train des Flandres. Ah oui, très bien. Moi, j'avais été frappé par le tracé de cette ligne, et qui passait vraiment dans une campagne flamande, à Vinzelle, par exemple. Oui, tout à fait. C'est à Vinzelle. Hein. Oui, oui, bon, c'était assez curieux. Bon, on de game, on a voulu faire du désenclavement. Oui. Vraiment, on a voulu s'ouvrir à ces petites... à la ville de Stavanger, mais aux petits villages de on de game, Vinzelle, Herzel, Bambeck, Rexpoud, mais Rexpoud c'était déjà un nœud, enfin c'est devenu un nœud ferroviaire par la suite. Rexpoud, Bambeck, Quillem, Onscot, voilà. Autre ville importante à l'époque. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ce petit train, je pense par exemple qu'il n'y aurait pas eu la briqueterie à Herzel. Par exemple, c'est un autre exemple. Et puis il n'y aurait pas eu les grandes sucreries.
aussi. Par exemple, on avait dans toutes ces petites gares des dépôts pour la sucrerie Béguin. Ou bien pour des distilleries, il y avait des distilleries sur Expoud. Donc des petites entreprises qui sont nées peut-être grâce. Et il y avait une entreprise qui n'en est pas née, qui existait sans doute avant, mais qui en a profité, les Van Robé. Ah oui, oui, tout à fait. Van Robé. Tout à fait. Oui. Alors l'itinéraire type que prenait ce petit train des Flandres, on démarrait d'Hazebrouck pour arriver. Oui, on démarre d'Hazebrouck, de la gare actuelle. À l'origine, une petite cahute, une petite cabane à côté de la gare. D'accord. Voilà. Et puis on file dans la campagne jusqu'à Ondeghem. Ondeghem qui est le dépôt du matériel et même un endroit où on fait des réparations. C'est curieux, c'est pas Hazebrouck, c'est Ondeghem. Après Ondeghem, Saint-Sylvestre-Capel, où on traverse la nationale, c'était la nationale à l'époque, où il n'y a pas à l'origine de barrière de chemin de fer. Oui. Et quand il y aura une barrière, il y aura quand même toujours des accidents. Après cette gare de Saint-Sylvestre, c'est une halte à Terdeghem. Oui. En réalité, sur la route de la Zoinde jusqu'à Stavor, c'est pas dans le village, une halte, c'est-à-dire que on peut monter, on peut descendre, on prendra le ticket après, mais on ne peut pas charger de marchandises. La grande gare donc de Stavor par la suite. Après Stavor, c'est Winsel. Après Winsel, Herzel, qui sera nœud ferroviaire par la suite, parce qu'il y aura possibilité de prendre un autre train jusqu'à Bolzel, en passant par Wormhout. Curieusement, la place de Wormhout, parce que le train va passer sur la place de Wormhout. Et puis, après Herzel, on franchit l'Isère par un très beau pont métallique. Je pense qu'il existe encore. Et puis, la gare donc de Bambeck. Bambeck-Rexpoud, qui deviendra également par la suite un nœud ferroviaire, puisqu'on pourra rejoindre Berg, et le terminus de Onscott. D'accord. Voilà, ça, c'est donc 10 gares. 10 gares qui jalonnent donc la fameuse ligne. Parce que par la suite, il y aura une ligne qui va mener à Bredune. Ah oui, bien pendant, sûr. une vingtaine d'années. Alors j'imagine que, vu le tracé, on va dire presque tortueux, sinueux, pas toujours facile, hein, avec les moyens techniques de l'époque, il y a peut-être eu des fois un petit problème technique qui s'est posé sur le chemin. Oui, les locomotives n'étaient pas des plus puissantes, bien sûr, et on va prendre un exemple qui est arrivé, et qui est arrivé souvent, à Saint-Sylvestre. Le train venant de Stavorn devait gravir une côte. Et lorsque le train arrivait à Saint-Sylvestre, il fallait que la garde barrière, la chef de gare, la même personne qui vendait les tickets, la même personne qui réceptionnait les colis, les marchandises et tout, ait le temps d'aller jusqu'à la barrière, de fermer cette barrière. Alors le train arrivait, « Ah, mince !» disait le mécanicien, « la barrière n'est pas abaissée, je vais m'arrêter. » Il s'arrêtait, mais impossibilité de redémarrer. La côte était trop importante. Alors donc, le train faisait marche arrière, roulis, si on peut dire, jusqu'à à nouveau les environs de Terdeghem, une paire de kilomètres en arrière, et puis lancer la vapeur et devait regravir la côte pour enfin traverser la route nationale et arriver en gare de Saint-Sylvestre-Capel. Alors ce petit train, il a commencé sous la Troisième République Oui, le premier voyage est de 1894. Et la ligne Hazebrouck-Onscott a fermé en décembre 1954. 4. Ah, d'accord. Mais on a encore utilisé la ligne avec des locomotives à diesel pour transporter des convois betteraviers jusqu'en 1958. Voilà donc un petit train qui a débuté sous la Troisième République, qui a connu, je dirais, l'occupation allemande, l'État français du maréchal Pétain, oui. Et puis la Quatrième République, et qui s'est arrêtée à l'entrée de la Cinquième. À l'entrée de la Cinquième. Voilà. Oui. Donc, c'est un train historique, ça. Historique, oui. On a même retrouvé des photos donc, de soldats allemands qui posaient devant le petit train. Ah, bah oui.